qui nous brise. Contre, contre, contre les portes qui nous piétinent. Contre, 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 contre les oreillers qu'on nous place sur la gueule. Contre, c'est contre, contre l'ordure parfumée. Celle du couple de salariés qui ne finit pas le mois et se lève chaque jour tôt et revient tard pour aller travailler loin. C'est celle de la mère de famille, célibataire, veuve ou divorcée, qui ne vit même plus, qui n'a pas les moyens de faire garder les enfants et d'améliorer ses fins de mois et n'a plus d'espoir. Je les ai vues, ces femmes de courage, pour la première fois disant cette détresse sur tant de ronds-points. C'est celle des retraités modestes, qui ont contribué toute leur vie et souvent est à la fois parents et enfants et ne s'en sortent pas. C'est celle des plus fragiles. Des personnes en situation de handicap, dont la place dans la société n'est pas encore assez reconnue. Leur détresse ne date pas d'hier. Mais nous avions fini lâchement par nos y habituer. Et au fond, tout se passait comme s'ils étaient oubliés, effacés. Ce sont 40 années de malaise qui ressurgissent. Malaise des travailleurs qui ne s'y retrouvent plus. Malaise des territoires, villages comme quartiers. On voit les services publics se réduire. Ta gueule! Que continuer. Alors à tous et toutes, debout, 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 amis, debout, debout. Entends-tu le vol debout, noir des corbeaux sur nos plaines? Debout, 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 debout.
autour du pays qu'on leur jette. Debout, 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 debout. Oh ouais, partisanes, ouvrières et paysannes, c'est l'alarme. Debout, debout, debout. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Debout, 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 debout. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Debout, debout, debout. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Debout, debout, debout. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait. Semaine qu'on bosse comme des cons pour faire bon, c'est nul à chier, mais on s'en fout, l'important c'est de parler. Nous, on va aller boire un coup après, et je vous invite à aller voir, si vous ne l'avez pas vu, l'exposition de Flavio en bas, qui est superbe, vraiment. Et puis, si vous ne l'avez pas vu, allez voir le film.